Nous présentons en ville Gonaïve aujourd'hui pour le 8e symposium qui a fait sous gouvernance dans le pays d'Haïti. Et Gonaïve, c'est la 8e ville ou 8e département. On a dit l'Artibonite, c'est le 8e département qui recevra nous. Et l'idée du symposium là, est sortie parce que moi, comme député, j'ai constaté dans la Chambre des députés, dans le système politique haïtien, manquer un engagement des groupes de monde qui puissent capables. Des professeurs, des éducateurs, des businessmen, des citoyens qui paraissent très paisibles et que vous mettez politique en côté, puisque vous pensez que politique, ce n'est pas un bagage qui est fait. Engagement ça créé en Haïti, ça nourrit les majorités silencieuses. Que nous, dans l'IGEP, Institut de gestion de gouvernance et des études politiques, nous prenons l'initiative pour, un, nous créer l'école ça en 2018. Et deux, pour nous faire formation en gouvernance, by boost à des étudiants, des jeunes, pour en licence, ou du moins, en diplôme spécialisé en gouvernance. Et par rapport à Timoun Soki diplômé, il dit non, ça y'a appris, il est intéressant pour nous partager avec d'autres jeunes en d'un pays, en activité. C'est ça qui fait le symposium. Le symposium, en fait, nos objectifs pour diminuer la majorité silencieuse. Là. Pour qu'il y ait plus de citoyens qui engagent dans la cause de gouvernance pays. Là. Qui pour permettre à ce que les gens qui travaillent dans l'université présentent à la société les problèmes de la société. Université en mettez le service au CTA et faire les gens qui plus éduqués, les gens qui plus apprennent, les gens qui plus capables pour entrer en politique. Et ce travail, ça nous a fait. C'est moi-même qui ai intervenu sur la question de gestion des collectivités territoriales, qui présentait la section communale comme une opportunité pour jeunesse là, comme une alternative par rapport au développement d'Haïti. Et nous gagnons un professeur Cédère, bon, c'est mon Gonaïve, nous avons dit qu'il travaille ensemble avec nous. Après ça, toutes les ressources, c'est des ressources locales. C'est des professeurs qui sont là avec nous dans différentes universités, nous là. C'est des chercheurs qui sont là, c'est eux-mêmes qui ont intervenu pour le symposium qui fait Gonaïve là. Et cette série d'activités, c'est une expérimentation qui est très intéressante pour nous. Nous expérimenter dans ce symposium et la logique de combat que nous avons fait en Haïti pour nous lever tête. Moi-même, je suis à Jean-Noël dans le département sud-est et pour nous lever toute tête, c'est combat, c'est corvée que nous faisons. Combat, là, lui-même, nous prenons ça, nous allons aller sous langue université pour nous expérimenter. Li. Qui ça nous a fait à la logique combat paysan qu'on fait pour lever terre? Est-ce qu'on ne peut pas avec sous l'angle de la gouvernance? Puisque tout le monde pense pour le travail, pour réunir les gens, il faut que le grand patron dans la société civile là, ou bien un chef politique qui lui-même qui baille comme pour faire ça. Yo. Mais nous autres, nous entendons, nous faisons coup à coup là. Ça qui vient à la machine parler, ça qui permet à ce que lui dit ok, m'a touché, m'a mis au parti dans Salem pour nous acheter manger. L'autre qui dit pour héberger, moi-même, j'ai un hôtel, c'est dans la ville, m'a hébergé la canne. Nous, chaque, nous mettons des choses ensemble pour nous faire. Qui vient faire, nous sommes 8e symposium, nous pouvons prendre financement dans personne. Ni entité qui est dans l'État, ni entité qui est dans la société civile, personne monde, c'est entre équipe, soit professeur, soit monde qui est dans l'équipe universitaire, ou du moins d'autres monde nous joignent, qui mettent les mains ensemble, qui est dans l'équipe là, qui permettent de nous réaliser ces projets. Toute dynamique de changement passe par le partage de connaissances. Je pense que c'est une meilleure initiative que le député Deus de Honnête les prend pour pousser une réflexion. Et ces réflexions, c'est ça qui fait ma parole avec nous aujourd'hui. Réflexion, ça va permettre que nous puissions entrer dans un projet. Projet, ça va entrer dans une ligne d'action vers son opérationnalité. Depuis que nous commençons à opérationnaliser le projet, tout le monde qui vient là, il représente une famille, un secteur, un groupe, une ville, une communauté. Donc, à partir de ça, nous pourrons rendre nous compte que un développement endogène, une dynamique sui generis, une dynamique la caille réfléchie pour la caille, une dynamique canal pape campé, pour le vin tourner, la caille pape campé. Le ça, nous allons travailler pour pays à propre, pour hygiène, pour soins de santé. Et c'est toute dynamique projet qui rentre dans le développement au pays qui prend le réfléchir là. Nous souhaitons que l'initiative ne pas camper parce que c'est une initiative de génie que nous. Mondialisation pas un panacée qui résout tout problème. Au contraire, mondialisation, il est facile pour vous faire parce que vous retrouvez dans le tableau des grands avec des armes inégales. Or, pour monsieur, vous avez fait l'Union européenne, vous avez mis les critères de convergence. Ça veut dire que vous avez pris des pays qui ont le même niveau, qui ont le même profil économique. Voilà que nous-mêmes, nous avons négocié dans le marché des grands à armes inégales. C'est ça qui fait rentrer nous dans l'accord de Cotonou
et dans l'accord post-Cotonou pour que nous venions des pays ACP de l'Union Européenne qui seulement viennent des receveurs d'autres, c'est l'autre d'après ce voie. Donc qui fait que nous besoin, Chita, former un projet haïtien, un projet gonaïvien, un projet local, et à partir de projet local là et réflexion que nous tirons de lit, nous capables de porter un changement véritable. C'est que avec vague cerveau qui a quitté le pays, toute crème pays qui a quitté le pays, un paquet de monde qui a quitté le pays, ça c'est un premier bagage. Un deuxième bagage, c'est que politique là, et en Haïti, je vous dis là, nous tellement avili politique là, nous tellement et rendre que politique là, vint tant que son on bagay qui sale, moun pa doué moyen. Ça vient fait que et gon paquet moun qui vient peur politique là. Et go troisième bagay encore tellement moun qui lance dans politique tellement qui était passif dans question politique ça, et bien passif ça yo vient utiliser contre de moun qui ta gen velléité pour que yo ta venir rentrer dans l'état ou bien pour yo ta participer dans l'élection. Parce que nous avons un gros travail pour nous faire pour nous rebailler population en confiance pour yo capable voter de moun, parce que moun yo franchement jodia moun yo perdu confiance et moun yo perdu et m capable dire tout ça yo ta supposé gagner comme élan citoyen pour yo choisir représentant. Donc travail là en pile, moi pense que symposium ça c'est juste la première d'une série, a gagné l'autre et m'capable dit événement qui va venir encore pour aider moun yo continuer réfléchir pour que prochainement choix yo fait de manière plus éclairée, plus responsable et plus intelligent. Il y a qu'est-ce qu'on appelle la méritocratie. La méritocratie, l'homme qu'il faut doit être à la place qu'il faut. C'est-à-dire, si l'homme qu'il faut doit être à la place qu'il faut, nous pas qu'à prendre n'importe qui, mettre dans tête pays, nous devons prendre des jeunes compétents et des jeunes qui dévoués pour pays afin que yo capable avancer. Tant que moi-même vraiment dévoué pour pays et ceci, je pense que je vais travailler sur ça pour me porter fuit pam surtout à Porte de Paix. Je dis à nous Gonaïves, cité de l'indépendance, m'a travaillé depuis Gonaïves et puis pour nous porter fuit à Porte de Paix et puis pour nous prendre toute l'autre et Villio afin que Haïti prenne cité son base qui c'est compétence et performance. Nous-mêmes étudiants, nous victimes de ça parce que chaque fois autorité au besoin et jeunes, ils viennent dans l'université. Ils utilisent les jeunes, ils mettent comme quoi des armes à feu dans les mains. Mais ils n'ont pas jamais réfléchi sur ensemble de jeunes et même leurs minorités hein, qui ont ensemble de compétences, qui peuvent parler de pays. Nous-mêmes, nous trouvons ça assez absurde côté que nous, les jeunes, ils n'ont pas voulu impliquer parce qu'ils ont peur. Eh bien, nous-mêmes, nous avons pour devoir, nous avons ces nécessités qui gagnent pour que les jeunes contribuent à la bataille pays, à la changement pays, à même les députés de Ronet Fella, eh bien, nous disons que nous n'avons pas accompagné, quel que soit, les gens qui ont ensemble de compétences, capacités, et puis pour les jeunes, émanciper. Nous avons besoin d'émancipation de la jeunesse afin que nous puissions produire notre Haïti, notre système. Déjà, nous commençons avec ce symposium sur la gouvernance et ceci nous prend la citation l'autre critère côté que nous capables de dire phénomène insécurité à l'idoué sorti et ceci pour nous guérir Haïti une nouvelle Haïti qui cite à sous ça qui est l'agriculture et éducation et nous prenons un Haïti tout qui prend la cita sous ça qui est les cultures faut que nous valorisons culture nous et puis tout pour nous principal que nous avons besoin, c'est la souveraineté nationale. Côté pour nous autonomes, pour nous libres et pour nous démocrates. Tichesse Malakai, pas de pomme.